OK. Pour ce qui concerne le récapitulatif, ce matin, nous avons commencé par concevoir les interfaces. D'abord, nous avons conçu l'interface de validation du service d'envoi et du service de réception. Oui, nous l'avons fait et nous avons en même temps aussi conçu l'interface qui nous permet d'avoir la liste des colis en attente d'expédition et en attente de réception. Via ce code, nous avons rempli notre zone répétée par programmation. Nous l'avons fait. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez diminuer les informations. Je l'ai fait à titre pédagogique. Après, à la sélection d'une ligne, qu'est-ce que nous avons fait? En fonction d'un certain nombre de types, en fonction du type de service, si c'est le service d'envoi, voici ce qu'il faut. Si c'est le service de réception, nous allons au plan 2, au plan 3, envoi colis, plan 2, et avec des informations y afférentes. Nous l'avons fait et après, nous avons créé, conçu la fiche de retrait de colis. Ici, nous avons la liste des colis en attente de réception, c'est-à-dire des colis déjà expédiés, qui sont même déjà arrivés à destination et qui doivent être déchargés. Nous avons cette interface et voici comment nous l'avons remplie par programmation. Après, à la sélection d'une ligne, à la sélection d'une ligne, on ouvre. On ouvre la fiche colis détail. Voilà. Dans la fiche colis détail, il a l'aperçu du colis et des informations clés, plus la signature du destinataire. Alors, il y a donc deux problèmes, enfin, deux points. Le premier point, quand c'est sa première fois, il sera dirigé ici, il doit renseigner éventuellement ou de manière optionnelle son adresse e-mail, sa pièce d'identité, le numéro de la pièce. Après, il scanne ou il prend en photo ces deux pièces et il valide. Quand il valide, automatiquement, il valide la réception. Quand celui-ci valide la réception maintenant, le service de réception donc, a juste pour rôle de vérifier la conformité et de valider. Et voilà donc ainsi le schéma. Le schéma de la gestion des colis. Un schéma que vous pouvez, je peux dire, améliorer, que vous pouvez faire mieux, mais je vous rappelle que c'est un projet didactique. Un projet, pas de production, didactique. Maintenant, à la prochaine séance, nous allons un peu attaquer la notion de droit utilisateur. Ce sera des droits basiques. Nous allons aussi vous montrer comment générer l'APK. Pour l'instant, c'est l'APK. Et comment installer ça dans nos différents téléphones et l'utiliser. Donc, voilà un peu ce qu'il nous reste à faire. Et après, ce niveau fondamental sera en réalité bouclé.
Alors, si vous avez quelques questions, c'est le moment de les poser. Et ou si vous avez quelques inquiétudes, ou pendant que j'expliquais, peut-être vous avez une zone d'ombre, vous pouvez donc les élucider ou les poser autant pour moi afin de revenir sur l'explication. Acheni, je suppose que tu es en ligne. Est-ce que tu as une question? Ok, oui. C'est juste. Ok, merci beaucoup. Donc, et c'est juste ma question, c'était juste au niveau de la signature. De la Oui. signature. Et au fait, de façon pratique là, ou bien pour. Comment ça, cette signature-là, comment ça va se passer, quoi? Bon, je m'excuse ainsi, c'est un temps que vous avez eu déjà expliqué. Non, non, Après, non, j'étais non, non, pas. non, non. C'est une question, c'est normal. C'est-à-dire, la signature, ça se passe comment? Celui. Ah, l'expéditeur n'a même pas. Enfin, le destinataire, je n'ai pas mis sa signature. Enfin, c'est ce qu'il faut s'y mettre. En fait, c'est quoi? Je vais juste t'expliquer le scénario. Oui. Tout le scénario, c'est sur la fiche expédition. Laissons tout ce qu'on faisait à bord, là, ça c'est du blablabla. Alors, celui-ci, quand il vient se connecter, enfin, pas qu'il se connecte, il télécharge l'application. Il a la liste des agences. Il a en principe la liste des agences, bien il a des événements. Alors, il décide donc d'envoyer un colis en utilisant l'application qu'une agence a pris soin de mettre en place. Alors, voici sa fiche. Il met la nature du colis. Il met la valeur estimative du colis. Par exemple, si c'est par exemple un téléphone qu'il est en train d'expliquer, il dit téléphone. Maintenant, il peut donc dire donc, téléphone de marque Samsung. Il donne les caractéristiques, c'est ça la valeur estimative. Il estime un peu. Il dit l'agence où il est en train de vouloir faire expédier ce colis. Donc, c'est par exemple, je prends le cas du Cameroun, l'agence Finex de Douala. Quand il choisit agence Finex Douala, la ville de départ, donc la ville où il est, s'affiche automatiquement et il choisit la ville de destination. Il veut expédier ce colis où? À Yaoundé, à Bafoussam, je ne sais pas. Et il veut expédier le colis à qui? Le destinataire du colis. Maintenant, au niveau du destinataire du colis, il a la liste des destinataires. Si le destinataire, enfin, s'il y a un bénéficiaire, si le bénéficiaire se trouve sur cette liste, il n'a qu'à cliquer et l'opération continue. Sinon, il clique sur ajouter. Et il ne met que le nom et le numéro de téléphone. C'est ben, tout à fait normal. Quand, par exemple, tu veux expédier soit de l'argent, soit le colis, on te demande juste le nom et le numéro de téléphone. Généralement, éventuellement, le pays pour des expéditions sur le plan international. Maintenant, quand donc, il le fait, on revient toujours ici. Alors, il vient ici. Et voici le code de signature. Donc, il signe, parce qu'il a son téléphone. Hein, OK. Il signe avec son doigt. Voici le code. Il signe avec le doigt. Quand maintenant, il signe, il joint l'image du colis. Par exemple, le téléphone, il faut qu'il puisse joindre l'image du téléphone. Alors, donc, il peut donc se rendre à l'agence. C'est-à-dire, celui qui est à l'agence reçoit la notif. Quand il reçoit la notif, sa notif, c'est où là? Ici. Donc, il reçoit tous les colis qu'on a enregistrés. Donc, il attend juste
L'expéditeur vient, il dit, bon, voilà, colis numéro tant, hein. Il voit, on peut mettre une barre de recherche. Donc, c'est un projet que quelqu'un peut bien peaufiner, améliorer. Il fait juste une barre de... Enfin, on peut mettre une barre de recherche. Colis numéro, pap, pap, pap. Dès qu'il saisit, il valide, il a toutes les informations du colis. Et là, l'expéditeur lui donne donc le colis en main. Hein? Lui aussi, il prend quand même le soin d'inspecter le colis avant de l'emballer, comme ils font souvent. Et maintenant, lui donc, il vient, c'est ça donc. Bon, j'ai fait un mobile. En principe, l'application même de gestion devait être une application soit web, soit desktop. Mais l'application mobile reste pour les destinataires et les expéditeurs. Donc, ça, c'est juste un titre de rappel. Donc, parce que normalement, avec le téléphone, c'est un peu fastidieux pour celui-là, parce qu'il est devant son poste, il n'est pas mobile. Voilà. Donc, quand donc, il tape, il a toutes ces informations jusqu'à la signature de l'expéditeur. Alors, il clique sur valider. Quand il clique sur valider, il choisit l'agence en fonction de la ville que l'expéditeur a choisi. Il choisit l'agence. Il met l'immatriculation du véhicule. C'est quel véhicule qui va aller avec le colis? Hein? Quand donc il le fait, il valide. Alors, une fois validé, l'expéditeur est notifié que son colis vient de partir. Et quand donc le colis arrive à destination, c'est toujours la même fiche. On a là toujours la liste des colis reçus pour cette agence. Hein? Il notifie donc dans le destinataire que ton colis est déjà là. Hein? Le destinataire peut faire ses opérations à la maison. C'est-à-dire, il fait tout, 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 et il va. Maintenant, donc, il peut donc avoir, par exemple, un service, un facteur, je peux appeler ça comme ça, il vient vous livrer à destination, ou il peut se rendre lui-même à l'agence. Il donne juste le numéro du colis, on tape, et il récupère son colis. Tu vois un peu. Donc, voilà un peu le scénario. Donc, c'est un projet que vraiment quelqu'un peut s'asseoir dessus et le profiner. C'est-à-dire, ça, c'est juste la base. C'est juste une réflexion de base, mais que quelqu'un peut améliorer. Maintenant, mettre ça à la disposition des agences de voyage, des agents, oui, agents de voyage, ou bien des agences qui gèrent les import-export. Donc, voilà un peu, grosso modo, un peu l'idée. Donc, l'idée ici n'est pas carrément de terminer le projet, non. L'idée ici est de vous montrer un certain nombre de choses et de vous montrer un peu la logique. Pense que jusqu'ici, tu as compris. OK. Donc, voilà. OK. La dernière séance sera la semaine prochaine. Oui. Et pour pouvoir avoir l'attestation, tu vas devoir prendre ce que j'ai dit aussi à l'autre apprenant, devoir choisir un projet simple, au moins trois tables, ou plus simple, pardon. Un projet peut être trois tables, où tu le fais, doit être un projet innovateur, un projet vraiment qui résout un problème de la société,
Okay. Okay. Et vous aurez 3 semaines. Et vous allez donc présenter ça ensemble. Okay. C'est-à-dire, tu viens, tu présentes, tu auras 45, 30 minutes pour présenter, 5 minutes pour les questions. Après une délibération, le deuxième pareil, ça va aussi, ça va permettre que vous puissiez voir, enfin, vous puissiez vous échanger les idées. Lui, il a travaillé sur tel, moi, j'ai travaillé sur tel projet, et vous-même, vous allez voir des insuffisances, des améliorations à faire. Donc, voilà un peu, grosso modo, ce qui sera fait dans la dernière séance, c'est ce que j'ai dit que nous allons faire et c'est ce qui clôture la 7e séance d'aujourd'hui. S'il n'y a plus de questions, bien entendu. Après ceci, quelle sera, parce que, quelle sera la suite de ce, est-ce que c'est prévu d'autres, c'est pas un module d'un niveau, je dirais, hein, c'est juste pour comprendre. Oui, 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 je dois, oui, oui. Il n'y a pas de requête, il n'y a rien, tout ça, donc, ouais. Donc la suite, c'est, ouais. Il y aura combien encore de niveaux après ceci. Oui, la suite, c'est la formation niveau 2 que je vais préparer, je vais élaborer un programme. Essayer un peu de voir si c'est adaptable et je vous tiendrai informé. Mais ce qui est d'abord pressant, c'est d'abord la formation thématique sur les web services qui est dans exactement 10 jours. Okay. Donc, c'est ça, c'est ces activités-là, ces préparatifs-là que je suis en train de faire. Okay. Donc, mais après ça, donc, je vais vraiment élaborer tous les programmes de niveau fondamental à niveau expert. Oui, okay. Vous, je n'ai pas là quelqu'un qui vraiment sent que le niveau fondamental est trop basé. Il prend un niveau qui le sied et on évolue là-dessus. Okay. Oui, ça signifie que niveau fondamental, quand je vais écrire certains trucs, je n'ai pas besoin d'expliquer parce que je suppose qu'il a les compétences requises pour comprendre. Ok. Ok, qu'à cela ne tienne, bonne journée. Merci beaucoup.